que vous avez plusieurs prénoms. Hein. Oui, oh ben, depuis ma naissance, c'est comme ça. C'est pas compliqué. Alors, comment je vous appelle? Vous m'appelez Mani. Tout le monde m'appelle Mani. Mani. C'est un diminutif de Germaine dont j'ai horreur de ce prénom. Et mon deuxième prénom, il est beaucoup plus joli, c'est Clara. Et je ne m'en suis jamais servie. Donc, c'est Mani. C'est bête, hein? Ouais. C'est vrai, c'est bête, parce que Clara, c'est quand même un nom qui n'est pas tellement... Un prénom qui n'est pas commun. Que je trouve... Qui est joli. Oui, c'est vrai. Bon, enfin, comme j'ai débuté au mois de mai, et j'avais le nom de Germaine, etc., j'avais encore pas choisi mon nom de scène, de cabaret, de théâtre, etc. C'est le directeur artistique qui s'appelle... comment il s'appelait déjà? Oh, je me rappelle plus son nom, enfin, qui m'a dit « Comment tu t'appelles ?» J'étais dans un cabaret pour... j'avais 18 ans à l'époque, pour faire mon tour de chant. Mais un cabaret ultra, tout le gratin de Paris y venait. Oh. Mais c'était vraiment formidable. C'était en quelle année, ça? C'était en 1938, qui se trouvait à la Place Blanche, qui s'appelait le... Oh, ben ça, c'est pas vrai, ça. Qui s'appelait... Tu te rappelles pas comment je t'ai dit qu'il s'appelait Jacques? C'est ridicule. Alors, enfin, ça va me revenir. C'est pas grave. Ah, le Libertis, voilà, qui était tenu par... C'est tout un programme, le Libertis. Oui, le Libertis, qui était tenu par deux hommes. Bon, on est en plein dedans actuellement. Hein. J'ai compris. Oui. Donc... Donc voilà, Mani. Oui, voilà. Donc, vous êtes né où? Vous avez grandi où? Ah ben moi, je suis née dans les Pyrénées, dans l'Ariège. Ah, oh, d'accord. J'y suis allée cet été, c'est magnifique. Ah bon? Ah ouais. Du côté de Foix, c'est-à-dire à 2 kilomètres. J'y suis restée à Foix pendant une semaine. C'est mignon, hein, comme petite ville. C'est vraiment adorable. Et moi, je suis née donc à 2 kilomètres en haut, dans la montagne qui s'appelait Vernajoul. J'ai un petit patelin où il y avait les vaches, il y avait le château d'eau pour boire, enfin... où il y avait que, je sais pas, une cinquantaine ou une centaine de personnes, c'est tout. Maintenant, c'est ultra... Il y a plein de maisons, de villas. J'ai même pas reconnu quand j'y suis allée il y a quelques années avec Jean-Marc pour... enfin, j'ai dit, puisqu'on était à Toulouse, tiens, on va aller faire un saut à Foix ou à Vernajoul, je suis née, j'ai plus reconnu rien du tout. Rien du tout. Ben non, tout a été transformé, etc. Ouais. etc. Moi, quand je suis restée enfin, jusqu'à l'âge de 2 ans, après un moment et moi, on est rentrés. Vous avez grandi où alors? Ah ben, j'ai grandi à Paris. Ah d'accord, donc vous êtes parisienne. Ah ben, ultra parisienne. Je me demandais comment on peut aller d'un petit village des Pyrénées à... vous avez donc été déportée? Non, j'ai été déportée à Paris quand j'habitais dans le 9e. Vous étiez à Paris, mais vous êtes juive? Oui, oui. D'accord. Bien sûr, maman, vous dites, je ne sais pas comment j'ai fait pour être à Vernajoul. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi ma mère de Roumanie est venue à Vernajoul. Toute une histoire. Bon, ça c'est fait, c'est fait. Alors, je lui ai dit, maman, le jour où tu as rencontré... soi-disant mon père, bah, je lui ai dit, tu aurais mieux fait de te casser une jambe. Voilà. Pourquoi? Oh, parce que... Bon, enfin, je vous dis, c'est toute une histoire. Il Donc a laissé êtes... tomber ma mère. Mon père était un inspecteur de police. Et il a laissé tomber ma mère quand elle était enceinte. Et voilà. Et votre père était juif, lui? Non, pas du tout. Non, c'était... Mais ce qui compte, c'est la mère. Et puis moi, de toute façon, je n'ai jamais été élevée. J'ai été élevée que dans ma famille... qui est juive. Toute ma famille est juive à moi. Vous étiez pratiquante? Non, vous non, pratiquante? Non, 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 je suis pas... Je fais les fêtes, vous savez, le Yom Kippour, le Rosh Hashanah, etc. Tout ça, je fais ça pour ma mère. Parce que ma mère a été déportée en 1942. Vous n'avez pas été déportée en même temps que votre non, mère? Non, non, 2 ans Alors après. Comment ça s'est passé? Vous savez... on est venu en 1942, on habitait rue de la Rochefoucauld. Et à 11h30 du matin, on a sonné à la porte. Et moi, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, mon Dieu, ça, on vient chercher ma mère. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu ça tout de suite dans la tête. Ouais.
intuition. Et oui, j'ai beaucoup d'intuition, moi, de toute façon, hein, Jacques. C'est vrai. Et je ne me suis pas trompée. C'était un inspecteur de la police avec un fait de gendarmerie, vous savez, ceux qui avaient les grands colliers en espèce de... Enfin, je ne sais pas ce que c'était. Ferraille, là. Ferraille, oui. Et voilà, ils ont pris ma mère en 42. Mais donc, ils arrivent, ils disent, voilà... Madame, faites votre valise. Et vous aviez quel âge ? Eh bien, j'avais 22 ans. Et pourquoi ils ont pris votre mère et pas vous ? Eh bien, parce que maman était roumaine. Ma mère, ils prenaient que les étrangers à l'époque. Et les Français, ils ont commencé à les prendre à partir de 43. Il y en a qui ont été pris en 42. Ça dépendait de où ils se trouvaient, etc. etc. Tout ça, c'était un programme, vous savez... fait de briques et de brocs, hein, franchement. Oui, ils improvisent, quoi. Oui, voilà, exactement. Et est-ce que vous saviez où elle allait à ce moment-là ? Ben, c'est-à-dire que nous, comme on habitait dans le 9e, on l'a emmenée au commissariat de l'avenue vers l'avenue Trudaine. D'accord. Rue, je me souviens plus du nom. Enfin, moi, j'ai... Oui, je vois là, du côté de Richer, mince. Je vois à peu près, ouais. Avenue Trudaine, je vois. Avenue Trudaine, voilà. Où Jacques et son frère, ils ont été au Jacques de Cour, au lycée Jacques de Cour. Oui, bah, je vois, j'habitais juste à côté. Ah bah oui, oui. Oh, bah, en effet. Bah, avenue Rochechouart. Bah. Oui, oui, c'est ça, par là-bas, ouais. Au coin. Enfin... Et puis, voilà. Et puis après, maman, elle m'a envoyé une carte que j'ai gardée du reste de Drancy. Ah oui, de Drancy. Elle est restée, quoi, deux, trois jours, puisqu'elle a été déportée. Enfin, ils sont partis en transport vers le 22 ou le 23 septembre, je crois. Et à l'époque, moi, j'étais sur scène aux Variétés avec une pièce de, comment ça s'appelait, Alibert. J'habite rue Alibert, non mais c'est normal, tout se recouvre. C'est vrai ? Oui, j'habite rue Alibert, juste à côté de chez vous maintenant. Ah oui, rue Alibert, mais ouais. Alibert c'était un chanteur qui était marseillais avec toute la clique, vous voyez, etc. Oui, tout ça. Et malheureusement, c'était un jeudi et j'avais matinée. Et maman a été. Je ne pouvais rien faire pour aller la sortir, ça c'était impossible. Même j'étais très amie avec Suzanne Gray. La fille à Denise Gray, vous avez certainement dû en parler. Bien sûr, bien sûr. Et elle m'a dit, Suzanne m'a répété ce que sa mère lui a dit. Oui, si j'avais eu à l'époque 500 000 francs, j'aurais pu faire sortir ma mère, comme j'en étais loin. C'est vrai ? On pouvait faire sortir des gens avec l'argent ? Ah, l'argent, sa vie. Ça fait tout, hein, la peur. Donc il y en a qui ont été sauvés par l'argent ? Ben oui, il y en a eu, je sais pas. Enfin, moi, je sais que j'ai pas pu. Puis après, ma mère est partie en transport et elle m'a envoyé deux cartes que j'ai gardées de Drancy, etc. Tout ça, je ne sais après, même pas. Après Drancy, vous n'avez plus jamais eu. Rien, jamais plus, aucune nouvelle de ma mère. Même après la guerre Non. C'est-à-dire de savoir. Non. À l'époque, en 42, ils faisaient des trains avec de la chaux. À l'intérieur. Alors imaginez-vous toutes les femmes. Mais oui, qui faisaient envie de faire pipi ou n'importe. Ça a été. Je veux même pas savoir ce qui s'est passé, vous voyez. Et vous, alors vous à l'époque, vous étiez dans les cabarets, vous dansiez. Moi, j'étais surtout au théâtre, hein, au cabaret, théâtre, ça dépendait. Vous étiez comédienne. C'est dommage que j'ai pas gardé des choses quand je suis passée dans tous les théâtres, Bobino, l'Européen, l'Alhambra, etc. Il y avait marqué Manimet, sachant tout faire. Moi, quand il y avait quelqu'un qui était malade, qui venait pas, qui pouvait pas chanter, c'était quand vous j'entendais Mani, j'ai dit ça y est, je suis corvée. Ça loupait pas. D'accord. Oui. L'intendance. Et vous avez... Hein? L'intendante, quoi. Ben oui. Et du coup, vous, vous avez été également déportée ? Oui. Ils sont venus vous chercher quand ? C'est-à-dire que moi, j'ai été déportée parce que j'avais des amis. Enfin, c'était... Moi, j'ai été mariée à l'époque avec René Mélé, enfin bref. Et j'avais un petit garçon, Pierre, à l'époque, qui avait 13 mois. Bon. Si j'avais pas hébergé, mais moi, vous savez, moi j'ai le cœur à ces choses comme ça, monsieur et madame Gaucho avec leur fils m'ont dit, ma petite Mani, est-ce que ça vous ennuierait si on peut,
pour 2 nuits de nous héberger, etc., etc. Vous voulez que je dise non ? Je ne pouvais pas dire non. Je lui ai dit, écoutez, Madame Gauthier, ben, évidemment, ils sont venus à la maison, et comme eux, ils étaient certainement dénoncés, c'est pour ça qu'ils sont partis de chez eux, ils ont été dénoncés, ils ont été quand même poursuivis jusqu'à chez moi. Jusqu'à chez vous. Voilà. Et ça vous a emporté dans le... Oui, bien sûr, avec, bon, monsieur, madame Gauthier, et ils avaient 3 fils, il y en a un qui est resté dans le midi, et les deux, Claude et Bernard, dont il a fait le Beethoven que Jacques me dit, maman, c'est pour moi le Beethoven, enfin bref. C'était un garçon qui avait 17 ans et demi qui a fait cette chose-là, c'était formidable, hein. C'était des garçons super. Et donc, ils sont venus chez vous, ils ont pris vos amis, vous, et ils vous ont emmené C'est-à-dire que, oui, il était quand même vers les 7 heures du soir à peu près. Et René, à l'époque, mon mari, enfin mon premier mari, je me suis mariée 2 fois, il faut être bête, hein. Bon, enfin. Non. Et mon premier mari était pianiste à l'époque chez Lucienne Boyer, qui s'appelait, elle avait un cabaret qui s'appelait Chez Elle. Il ne rentrait pas avant minuit. Et quand toute la bande de Bosch, là, je ne peux pas dire autrement, ils sont arrivés à la maison, etc., tout ça, il était déjà encore minuit à peu près à l'époque, et René, qui était toujours dans la musique, il était un peu dans, etc., il voit de la lumière qui passait au travers de la porte, il s'est dit, ah ben non, il faut que je remonte encore un étage, mais c'était pas ça. Les autres, ils ont entendu un bruit dans l'escalier, ils ont ouvert la porte, ils l'ont attrapé, et la première chose qu'ils ont fait dans l'entrée, en lui demandant, enlevez votre pantalon. Pour voir s'il était circoncis ou un truc comme ça. Mais vous pouvez pas. Ah, j'en ai passé des trucs, moi. Vraiment. J'étais gâtée, hein. Oui. Puis voilà, enfin, comme il n'était pas circoncis, etc., tout ça. Bon, moi, ils m'ont emmené, donc on a été à l'opéra, au commissariat de... Et si vous étiez mariée avec un Français non circoncis, comment ils savaient que vous étiez juive ? Ah, et ben, d'après les papiers. À cause de votre nom ? Mon nom, ben, bien sûr, mon nom, etc. Enfin, bref, bon. Enfin. Donc, ils vous emmènent. Donc, ils ont emmené d'abord les parents à, et puis leurs 2 fils au commissariat de l'opéra. Et ensuite, moi, j'ai eu le privilège d'avoir le commandant Smith de la rue où il y avait les baignoires, les trucs, etc., qui est venu me chercher. Bah, j'étais privilégiée, hein. Vous étiez belle ou pas ? Comment ? Vous étiez belle ou vous aviez du charme ? Est-ce que vous aviez un traitement privilégié parce que vous étiez une star ? Ah non, pas du tout. Comment vous me trouvez ? Bah, je vous trouve belle, là. Mais oui, bon, bah, j'avais quand même 22, 23 ans. Quand... La photo derrière le livre. Oui, ah, mais enfin, on voit rien. J'ai les photos, là. Enfin, bref. Bon, bon j'étais bon, belle, enfin, comme les jeunes de maintenant, etc. Je ne sais pas. Bon, j'avais beaucoup de succès. Bon, ça prouve que peut-être j'étais très belle. Bon, enfin, alors on s'est tous rejoints, donc, au commissariat de l'Opéra. Voilà, puis après, on est le lendemain, on est parti à 5h du matin, les bus sont venus nous chercher, on est allé à Drancy directement. Donc là, ça veut dire que dans le commissariat, vous, ils avaient pris des gens de différents endroits, vous étiez quoi, une trentaine, une... C'est-à-dire il y avait vraiment des gens que vous ne connaissiez pas, non, vous saviez pas non, où vous alliez, vous non, aviez non, peur ou pas ? Pas du tout, si, j'ai connu une personne, c'est-à-dire que les concierges à l'époque, c'était vraiment des pourritures, on ne peut pas dire autre chose. Ou... Elles étaient pour vous cacher, ou alors elles vous dénonçaient. Parce que quand ils sont revenus, les Allemands, ils sont revenus, encore 2, etc., etc., ils ont demandé à la concierge, il y a encore des Juifs dans la maison, dans l'appartement, dans l'immeuble. Alors la concierge a dit oui, au 3e étage, c'était des Turcs, là, au Jalvo. Loulou à Jalvo avec sa mère, on ne devait pas toucher aux Turcs, à l'époque. On ne devait pas. Pour après, c'est quoi oui, bah oui, c'était un de côté, peut-être c'était une je ne sais pas quoi, enfin bref. Bon. Alors elle a dit oui, alors ils sont montés au 3e étage et ils sont redescendus chez moi. Tout le monde a été chez moi à l'époque. Ils ont descendu madame et mademoiselle Jalvaux qui tenaient à l'époque
le grand restaurant qu'il y avait en bas, chez Émile, tu vois, l'auberge, comment L'auberge ça s'appelle, irlandaise. enfin bref. Et elle avait ce restaurant qui s'appelait chez Rebecca, où tous les ministres, ils venaient manger, etc., tout ça, vous savez, vraiment, alors, bon, enfin voilà, et puis alors, après, on a été, Donc en bus Drancy, je oui, suppose. Et vous êtes exactement, resté combien de temps à Drancy? oh, pas longtemps, deux jours, je crois. Pourtant, il y a de ce que je sais, il y a des gens qui restaient dans les à Drancy Oui, beaucoup plus longtemps, des fois un an. oui. Oh, ah non, Pourquoi? non, ah Non? non, ça m'étonnerait, non. Je Ah non, croyais avoir peut-être compris ça. 15 jours, grand D'accord. maximum, mais Et nous, c'était deux comment dans jours. Drancy, ça se Bah, passait comment? c'est-à-dire que, vous savez, c'était vers la fin, en 44. Oui. Et au mois de juillet, tous les transports s'étaient terminés. Et moi, j'ai été arrêtée au mois de mai, ça, c'est pas pour ça que je suis restée qu'un mois, hein, c'est hop. Mais, et tous les, enfin, on est parti en transport, donc 2 jours après. Donc, quand vous dites transport, c'est dans un train? Oui, dans le Ok. train, fermé, machin, etc., avec, pouf. Vous pouviez vous asseoir ou il y avait suffisamment de place pour s'asseoir ou pas? Par terre, oui, dans le Ouais. train, oui. Jusqu'en Allemagne. Jusqu'à qui comment s'appelle quand on est arrivé à oh c'est pas vrai je connais que ça pourtant hein. Bon Il n'y avait pas de avant place dans d'arriver à le. Auschwitz à Birkenau Ah, voilà Birkenau. Birkenau c'est là où on descendait du train et alors il y avait les hommes à part mettaient les hommes à part et les femmes à part en leur demandant. Je suis assez étonnée dans votre récit. Vous avez l'air très détachée. Et comment vous vous sentiez à ce moment-là? Bah, vous savez, moi on me disait, il faut faire ça, il faut faire ci, je faisais. Bon, J'allais pas on plus vous avait loin. quand même arraché au cabaret, à votre vie Oui, parisienne. ben oui, qu'est-ce Vous que je n'aviez fais? pas peur? Non, Vous n'aviez pas peur? du tout. Moi, je suis pas une femme peureuse. Tu peux le dire, Jacques, parce que vraiment, tout ce que j'ai passé, bon, enfin, la question, on est comme ça, on est comme ça, c'est pas. Et pourtant, je suis très sensible, très, très sensible. Mais vous vous doutiez de vers quoi Non, vous pas du tout, alliez? Rien pas du du tout, tout. Vous saviez pas. pas du tout. Je me suis dit peut-être que je vais Or, retrouver ma mère là-bas. vous connaissez, j'ai rencontré des gens qui sont allés aussi à Auschwitz, et quand ils étaient. Alors, c'était pas Drancy, si, c'était Drancy. Ils appelaient ça Shippy Boy ou. Pitchy Ah, Boy. Pitchy Boy! Pitchy Boy. À Pitchy Boy, on Voilà, a tout le monde avait ce Pitchy nom-là à la bouche, Boy! on va Ouais, à Pitchy Pitchy Boy. Boy! Ouais, je sais pas ce que ça veut dire, Ça oh, voulait rien dire, du en fait, tout. c'était l'endroit. On savait pas où on allait, mais Voilà. ils avaient C'était à imaginé que Pitchy c'était Boy, Pitchy comme Boy. on dit, on va aller, je sais pas, Un enfin bref, là. pétaouchnok, Oui, quoi. voilà, exactement. On sait pas où Exactement. on va, mais on y va. Ouais. Ouais, bon, bah, Il y a ça beaucoup c'est. d'imaginaire, je pense, sur ce Et qu'ils ont alors, fait. ça s'est passé comme ça. Bon, alors, d'un côté les hommes, d'un côté les femmes. Et Madame Godchaud était à côté de moi, et comme elle venait de se faire opérer de fibrome, elle a été bête, parce que. Bon, elle savait pas, moi non plus. D'un côté, c'était Ceux qui les étaient. gens qui étaient malades Voilà. par là, pour aller Voilà. donc au four crématoire, et les gens en bonne santé pour rentrer dans Birkenau, Auschwitz, pour travailler. Parler d'un travail. Bon, enfin Mais bref. et votre fils Pierre, il était où à ce Ah moment-là? ben il était, c'est, après c'est son père qui l'a pris, et puis Qui il l'a l'a emmené chez gardé. ses grands-parents, D'accord. qui se sont occupés de lui. Voilà. Il n'a pas été circoncis parce que ma mère s'est rendue compte qu'il se passait des choses depuis le début Ah, de la non, guerre. non, non, il n'a pas été circoncis, ni rien du tout. Alors c'est pour ça que, enfin, il a eu, enfin, le pauvre. Un bébé de 13 mois, quand je suis rentrée, il m'a pas reconnue, ben, c'est normal. Et s'il y avait les fours crématoires quand vous êtes arrivé à Birkenau, Oh, bah, et ça. il y avait des odeurs, il y Oh, avait. des odeurs. Le ciel était gris, rempli de fumée. Et encore dans le livre, je ne sais pas si j'ai tout. Il y a tellement de choses qu'il aurait. Enfin, des choses à raconter que. Ouais. Avec les expériences qu'il faisait, il tranchait ce que je vais dire au bonhomme, enfin bref, etc. Ça, je ne l'ai pas raconté. Je Quand la crois pas. fumée tombait, ça faisait comme des flocons de neige, mais qui étaient gris. De Gris, sang. ça sentait le grillé, vous Bah voyez? oui. Oui, chose Bah comme oui, ça. forcément. Et malheureusement, celles qui travaillaient au four crématoire, c'était des femmes comme nous. Et elles, il y a une femme, je ne me rappelle plus de son nom, enfin bref, une jeune femme qui avait à peu près mon âge,
et elle travaillait au fioul crématoire, elle a été obligée, elle, de mettre ses parents dans le crématoire. Ah, les choses qui se sont passées là-bas, vous n'en avez aucune idée. Moi, tout ce que j'ai raconté dans le livre, j'ai rien inventé, hein. Rien. Donc, quand vous arrivez, vous êtes dans la file des valides, et du coup, là, ils vous envoient. Les valises, bah, quand on est arrêté en descendant du train, on n'a rien emmené. C'est Ouais, voilà. resté, Ouais, mais. etc. Alors on est rentré, et puis le temps qui nous emmène, etc. Ça a duré jusqu'à 2 h du matin. Enlevez vos vêtements, ils nous ont donné d'autres vêtements, etc. Enfin bref. Et à genoux, comment ça s'appelle? Moi j'appelle ça où il y a les lavabos, enfin tout ça, la salle. Avec les bras en l'air, enfin, tout un tas de choses que Là, je pense. vous avez quand même des émotions. Vous n'avez toujours pas peur, là? Non? Mais Bah, comment c'est des peurs de quoi? possible? Peur de quoi? Je Bah, suivais le mouvement. vous êtes en colère, peut-être? En Pas colère, non? du tout. Non, je crois que Je j'étais comprends. inconsciente, peut-être que je ne s'en sais rien, Ou je ne peut-être que sais pas. c'est tellement inimaginable Oui? que, en fin de compte. Oui, je voyais tout le monde qui faisait pareil qu'on disait, bon, bah, je faisais pareil, je Est-ce ne qu'il y avait de sais la pas. peur chez les autres? Est-ce que. Ah, ben, il y en avait qui pleuraient quand même, hein. Ouais. Ah, ben, moi, j'ai sauvé quand même pas mal de filles quand on est rentrés après, qu'on était enfin ensemble. Et au bout de 15 jours, on a dit, vous savez, toutes les Françaises qui sont arrivées, elles sont pleines de poux. C'est pas vrai. D'abord, moi, à l'époque, j'avais les cheveux longs comme ça, frisés tout le long, longs comme ça, ils m'ont coupé les cheveux. Après, ça a été. Tout est rasé. Rasé, comme mon genou. Et mon genou, il n'y a pas de poils non Tout plus. le monde avait la Oui, boule à zéro. la boule à zéro. Ah, on ne se reconnaissait même pas, parce qu'on ne se connaissait pas tellement. Ah, j'ai dit, oh, alors dis donc, mais toi, alors t'as une drôle de gueule, hein. Bon, enfin, bon, il y avait des petites choses où moi, j'ai toujours été assez gaie. Et on m'a fait chanter. Moi, j'ai gagné ma croûte de pain. Quand les Blokova, là, celles qui s'occupaient de où on était pour dormir, vous savez, on était à cinq dans Surveillant du bloc. un espèce de truc avec de la paille qui n'était pas plus large que ça, et quand il y en avait une qui voulait se retourner, tout le monde était obligé de se retourner. On ne pouvait pas rester sur le dos et avoir l'autre sur soi, enfin bref. Bon, ça, c'est des. Mais vous Bon. arriviez à dormir dans ces conditions parce que vous travaillez la journée. Oui, en bas, quel travail! Alors, vous savez. Qu'est-ce que vous faisiez dans la journée? Alors, on sortait os commando avec un orchestre qui nous accompagnait quand on sortait. Et on avait des pelles, on faisait des trous. Et après, on les rebouchait. Alors, comme moi, j'avais toujours sommeil, j'avais la pelle. Alors, je disais, moi, je vais dormir sur ma pelle comme ça. Et je pensais à rien que à dormir. Dormir, à dormir. Pas à manger, mais à dormir. Alors, je disais aux copines. Et il vous faisait pas faire des choses qui servaient à quelque chose? Non, pas du tout. Alors, C'était juste pour vous occuper, la mais c'est quoi seule l'intérêt? fois où on a eu enfin des choses qui servaient à quelque chose, j'en sais rien. Mais alors, tout, y avait, c'était comment dirais-je, la caverne d'Ali Baba. Parce que tout ce qu'ils ramassaient, vous savez, il y avait beaucoup de gens qui sont venus avec l'argenterie, Oui, les les trucs précieux, vêtements, ouais. des bagues, des machins, Qu'est-ce des qu'on appelle le trucs. Canada? Oui, où j'ai travaillé pendant 3 semaines. Alors, Pourquoi on appelait ça le Canada? bah, comme ça, parce que c'était peut-être l'endroit où on ramassait toutes les belles choses, etc. Tout ça s'appelait le Canada. Alors, on avait un uniforme, la rayure, là. Maintenant, quand je vois des rayures comme ça, enfin bon, On ça dit c'est. pourquoi ils portent ça, Ouais. quoi. Et on avait le cope-tour. Le cope-tour, c'est-à-dire un truc rouge, là, comme ça, qu'on mettait sur la tête. Alors, moi. J'ai travaillé pendant 3 semaines, là, bon, travaillé si on veut. J'ai quand même pas mal dormi à l'époque. Comme il y avait ils avaient ramassé tout, des édredons, des choses. Vous savez, en Europe centrale, il y avait beaucoup d'édredons parce qu'ils dormaient, il faisait froid, alors qu'ils étaient bien, bien molletonnés à l'intérieur. Alors, je me planquais, j'allais vers l'édredon, je me recouvrais et quand je me levais, j'avais plein de plumes qui sortaient. Bah oui, c'était le côté drôle. Bon, enfin voilà. Mais je me suis Vous êtes occupée. resté combien de temps là-bas? Eh ben, au En Canada, tout? Non, alors pas qu'au Canada, en tout. en tout, ben, à peu près une bonne année.
Une année. Une bonne année. Comment vous avez vécu cette année en général? C'est-à-dire, vous en gardez des souvenirs Bah, c'est-à-dire très que c'est douloureux? pas des. Bon, c'était des souvenirs très douloureux, parce que quand vous. Pas à Auschwitz, on avait quand même un brin de. Un brin de propreté. On prenait quand même une douche, et quand on parlait de douche, il y en a qui avaient de la trouille, parce que c'était pas une douche qui Ouais. sortait, c'était Ouais. les. Les Bon. fameux gaz. Mais moi, j'ai Le jamais gaz pensé à cyclone. ça. Bon. J'allais me laver parce que, bon, il fallait se laver quand même, parce que on n'était pas très, très propre, hein. Bon, enfin, et puis donc, pour en revenir à ça, au Canada, on a reçu un ordre de défaire des valises et d'enlever tout le linge. Il y avait un linge de dentelle superbe qu'il fallait mettre de côté. Il y avait un tas qui était jusqu'au plafond, comme ça. Alors, vous savez ce qu'on faisait? Moi, je faisais des trous, et comme j'avais envie de faire pipi, eh ben, je faisais pipi dans le machin et je déchirais tous les trucs qu'ils voulaient emmener, les belles chemises, les culottes en dentelle. Et sincèrement, j'ai tout déchiré. Enfin, Mais moi. donc, vous étiez rebelle sans la Ben, peur de vous faire non, non, punir. non, 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 on va. Je vous raconterai un truc tout à l'heure. Ah Tu Oula. sais, le truc où j'ai commencé à faire le. Alors là, ça a été. Bon, enfin. Mais bon, et puis voilà, ça a été comme ça. Il fallait fouiller dans les fo les si on Les trouvait de poches. l'argent, les poches, on trouvait de l'argent, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de l'argent? Bah oui. Rien de spécial, enfin, ça s'est passé comme ça. Je suis restée même pas un mois au Canada, 3 semaines. Alors, ce que je pouvais emmener pour les copines qui fumaient, moi je fumais pas à l'époque, hein, puisque je chantais, je fumais pas. J'ai ramené des cigarettes que je mettais, vous savez, en Dans bas les ourlets. dans les ourlets, Ah, qui tout le long comme ça, ouais. et je demandais pas à ce qu'on me donne quelque chose En pour retour. en retour. Non, non, ça chez moi ça n'existe pas. Je Et au niveau de donnais. la nourriture, Oh, vous mangiez quoi? alors la nourriture, tous les soirs il y avait l'appel, on était en rang 5 par 5, et alors on avait un morceau de pain comme ça, un bout de tantôt. Tantôt une rondelle de saucisson et tantôt un bout de margarine. Ça dépendait le soir ce qu'il y avait, etc. Alors, Jamais de légumes, ben, jamais. la soupe le midi, il y avait de la soupe le midi, enfin le midi, oui, c'est ça, avec des petits pois, des bouts de tout ce qu'il y avait. Vous êtes quand vous êtes ressorti de là, vous étiez maigre, vous Oui, avez. je faisais 25 kilos. Toi, tu m'as mis 27 sur le. J'en avais deux de 25! trop, là, tu vois. 25 25! kilos. Vous 25. Oui, je mesurez pèse combien? 50 kilos, moi. Ouais, j'avais. Écoutez, c'est La pas peau cool. sur les os. Ouais, la peau sur. J'avais les Non, mais vous seins. aviez plus de muscles, vous aviez plus Non, rien. non, non, mais non, pas du tout. Oh là là. Oh là. Je suis arrivée quand. D'abord, on est parti d'Auschwitz le 18 janvier pour aller à Bergen-Belsen. Parce que les Russes arrivaient. C'est là où Vivi, elle est restée, enfin une amie, enfin une très bonne amie. Elle a été, comment dirais-je, par les Russes, elle. Mais nous, on est partis en Allemagne, à Bergen-Belsen, dans le train, où alors il neigeait, sans toiture, sans rien du tout. J'ai mangé que de la neige. Tout le monde mangeait de la neige. Il n'y avait rien dans le train. On est resté pendant 2, 3 nuits dans le train, comme ça, à rien manger, que de la neige. Et quand on est arrivé à Bergen-Belsen, alors là, ça a été. J'ai jamais vu autant de cadavres de ma vie. Tout violet, à Mais poil, en dessous c'est-à-dire des ça, arbres. comme ça, en Oui, pleine nature, des habits empilés. empilés, les uns déshabillés sur les autres, tout violet, tout violet. Je vous dis, j'ai jamais vu autant de cadavres de ma vie Bon, qu'à Bergen-Belsen. là, me dites pas que vous n'avez pas eu peur, ou il y a de l'horreur, il y a de la colère, il y a quand même des émotions. Oui, Ou bah, bien vous déconnectez vos émotions à ce moment-là, comment vous faites? bah, je regardais ça comme ça, je C'est sais pas. inhumain, quoi, c'est. Oui, je sais pas, je peux C'est un pas, je état pourrais pas vous d'inconscience. dire. J'étais peut-être inconsciente, ou j'étais peut-être que j'ai reçu un truc sur la tête, j'en sais rien, je peux pas vous dire. Je sais pas. Je sais pas.
Et vous avanciez parce que vous étiez maigre, vous mangiez rien, ah ben vous je pouvais plus vous en avez ces images d'horreur autour de ah vous. oui ah oui il y avait un, à Bergen-Belsen, il y avait un grand fossé qui avait été, on jetait tous les cadavres, on les jetait comme ça. C'est qui on? Nous les, moi je vous l'ai pas vous avez fait. poussé des Ah non non non, moi je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Moi, je ne l'ai pas fait, c'était les autres. Il y avait des hommes qui étaient encore, qui tenaient debout, qui mettaient, qui empilaient les cadavres comme ça. Du reste, c'est passé à la télé, on l'a vu. Hein? Bon. Et vous avez perdu. Donc, est-ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez créé des amitiés Oui, là-bas? quand même, avec Cocotte et Pierrette, les deux sœurs, avec Vivi. Oui, j'ai eu quand même. Est-ce que vous avez perdu Oh. est-ce que vous Ils avez. sont, elles Est-ce sont que. mortes toutes. Il n'y a pas Toutes? longtemps, tout le monde est mort. Oui, mais je veux dire, là-bas, au sein des camps, est-ce que vous avez. Est-ce que vous avez perdu des gens, quoi? Non, Des non, 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 amis ou non, des. non. Les amis avec lesquels où je dormais, en fait, avec elles pendant 8 mois, quand on est resté 8 mois à Auschwitz, elles sont parties. Autrement, autre part, je les ai plus revus. Et quand on est rentré à Paris, qu'on a été délivré, Vous êtes etc., retrouvés on où? s'est revus, puisqu'on faisait partie d'une association de chez Clavel, enfin, etc., que tous les premiers jeudis de chaque mois, tous les anciens déportés se retrouvaient là. C'était une association, vous voyez, etc., tout ça. Bon, mais malheureusement, toutes mes amies que j'avais qui ont été déportées, elles sont mortes. Avec moi, Cocotte, Pierrette, les deux sœurs, qui étaient deux anges, deux anges. J'ai jamais rencontré deux filles pareilles. Super, super, Alors, super. comment ça s'est passé la libération? Eh bien, la libération, ça s'est passé donc à Bergen-Belsen. Ce sont les Anglais qui nous ont délivrés un 13 avril 45. Donc, de janvier à avril, vous étiez à Bergen-Belsen. De janvier à avril, Bergen-Belsen. ouais, à Bergen-Belsen. Bergen-Belsen. C'est là où il y avait les Boches, enfin les Allemands, ils avaient leur truc où ils dormaient, etc., etc. Et nous, quand on a été. Les Anglais nous ont emmenés dans le camp où il y avait les Allemands qui Mais avaient. juste pour visualiser, vous êtes dans ce camp avec que des Allemands. Ils débarquent comment les Anglais? Les Allemands sont partis, ensuite les Ah Anglais sont oui, oh là arrivés. là, ils sont. Ou est-ce qu'ils se sont Ah, ils battus se ou pas du tout? dépêchaient, on Ah, voit ils dans les fuyaient en films fait. comment ils se Ils dépêchent fuyaient. avec les papiers de déchirer D'accord. ou de brûler, Brûlés. etc., tout ça. Et ce sont les Anglais, mais. Et ils vous ont laissé comme ça, quoi. Oui. Ah ben, on était une semaine encore en plus et tout le monde mourait là-bas, Ah à ouais. Bergen-Belsen. Moi, je ne pouvais plus marcher. J'étais par terre, dans la paille, tu sais. Je ne pouvais plus marcher du tout. Pour faire, par exemple, d'aller de là. Jusqu'à là, je crois que j'aurais mis une demi-heure pour me lever, pour essayer de faire un pas. Je ne pouvais plus marcher du tout. Raconte l'épisode des Anglais qui t'ont vu, qui t'ont apporté de l'eau. Qui m'ont. Apporté de Les l'eau. Anglais qui vous ont Ah, apporté de ils l'eau. m'ont apporté de l'eau. Non seulement ils ont apporté de l'eau, ils ont apporté des kibbles, enfin, je parle comme Kibble. les machins, avec de la nourriture. Et ça, on ne pouvait pas manger, parce que Bah si oui, vous mangez il y a la ça, dysenterie, hein. directement, ça sortait Bah directement. Il y oui. avait. Enfin, bon, bref. Mais de l'eau, c'est-à-dire à Bergen-Belsen, la nourriture était composée. Un peu d'eau comme ça, avec un rutabaga dans le fond, c'est tout ce qu'on avait. C'est ça qui m'a foutu en l'air, parce qu'à Auschwitz, bon, on mangeait ce qu'il y avait, mais enfin, on avait à manger quand De même. quoi De ouais, quoi de quoi tenir le maintenir. de voilà Ouais. de quoi tenir le Là, il n'y coup avait plus. qu'à Bergen-Belsen pendant 3 mois, je n'ai rien mangé que ça, un petit rutabaga, quand il y en avait, un petit rutabaga, c'est tout. On Quand les n'avait pas de pain. Anglais sont arrivés, quand ils ont vu ma mère par terre, comme tous les Ah autres, mais quand ils ils ont se sont mis vu, à pleurer. Ils n'y ils ont croyaient pas. pleuré, les C'est vrai? Anglais. Je les ai vus moi-même, hein. Ils étaient en uniforme, bien entendu. Ils sont passés, on était. Il y avait presque même plus de paille. On était à même le bois, Seul, ouais. à même le bois, et on était complètement, je sais pas, Dans les encore vapes, 8 jours, quoi. et puis Non, c'était super. terminé Ah ouais. encore. Alors quand ils ont vu ça, ils ont pleuré. Mais vous, quand vous êtes à même le sol, à moitié dans les vapes, vous pouvez plus bouger, vous avez plus, quoi. Non. Quelque part, il y a. Vous n'avez pas pensé que vous alliez mourir à ce moment-là? Ben,
On se laissait tellement aller que, vous savez, on n'avait pas cette pensée-là dans la tête, Ah hein. bon? Mais non. On se disait, peut-être que, je ne sais pas, on ne se disait rien. On n'avait même plus à penser ni quoi que ce soit, ni. On pouvait même plus parler. Je vous dis, je ne pouvais plus me lever ni marcher, ça, je ne sais pas. Et Un cauchemar d'un an. c'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer. Est-ce que dans cet enfer, il y a eu des moments de joie ou des moments... Oui, il y a eu parce que vous savez ce qu'on faisait? On parlait que de nourriture. Quand on va rentrer à Paris, qu'est-ce qu'on va? On va faire on va manger de la langouste, on va faire ceci, on va faire. Qu'est-ce qu'on faisait? On avait la bouche qui était. On avait la bave, pas la bave, mais enfin, vous savez, de parler de choses comme ça pour ce Vous qu'on attend. saliviez, vous Oui, saliviez. voilà, etc. Tout ça. Et puis bon, quand on nous avait rasé, bon, les cheveux, ils repoussaient. Moi, j'avais trouvé un espèce de vieux peigne par terre. Alors, je disais à toutes les copines, écoutez, quand vos cheveux, ils vont repousser, moi, vous venez, je vous ferai l'arrêt sur le côté. Ah, ben oui, il ouais, y avait des moments où on rigole. Donc, il y avait de l'humour encore. Oui, ah, bah, oui. Est-ce qu'il y a des comportements qui vous ont profondément déçu de l'être humain que vous avez vu, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que je suppose que c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a du gris, c'est-à-dire autant chez les déportés que Ah oui, chez oh les bah soldats ça, allemands? c'est de toute façon, il y avait avec nous dans notre baraque, il y avait des déportés, des juives allemandes. Mais elles étaient allemandes avant tout, attention, hein. C'est vrai ce que je vous dis. Non, mais Ah j'entends. oui, elles étaient allemandes avant tout. Bon, il Donc y elles avait étaient des. déportées par des Allemands, Oui, mais elles les restaient juives allemandes, allemandes, elles étaient allemandes. déportées. Puis il y avait des juives polonaises. Alors les juives polonaises, ça c'était le bouquet. Quand on est arrivé. Ils ont fait le numéro sur le rat, que j'ai toujours Vous du reste. l'avez toujours? Oui, bien sûr. C'est le Voilà. titre du livre. Il est peut-être, vous voyez. Ouais, Alors, c'est j'ai dit, quand proche. je les ai vus faire, il y avait des numéros. Alors, moi, j'avais pas peur, pour vous dire que j'avais pas peur. Je lui ai dit, en yiddish, je parle quand même pas mal le yiddish, enfin, bon, bref. Je me défends. Alors, je lui ai dit à la polonaise, je lui ai dit, Max Morklein, hein? Tout petit, elle dit, toi, t'ouvres ta gueule, toi, t'étais à Paris, en France, à manger du poulet, que nous, on était déjà là, etc., tout ça. Ben, tant pis, elle me l'a quand même fait petit. Parce qu'il y en a, ils ont eu des numéros gros comme ça. Vous me voyez avec un numéro gros comme ça. Bon, mais Vivi, elle se l'est fait enlever avec de la neige carbonique. Moi, j'ai dit, non, pourquoi je vais l'enlever? Je l'enlèverai pas. Ça fait partie de votre histoire. Oui, absolument. Alors quand vous êtes donc les Anglais sont arrivés, il a fallu déjà vous renourrir. Vous êtes allé où de là? Eh ben, il nous avait apporté à manger, mais fallait pas, parce Oui. que ça, c'était très mauvais pour si on commençait à manger une Il y en a qui cuillerée de. sont morts à ce Ah moment-là. oui, beaucoup, 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 beaucoup. Alors, j'ai mangé quand même un petit peu, mais enfin, c'était assez gras, vous savez ce qu'ils faisaient, enfin, je sais pas ce que c'était exactement. Bon, enfin. Et puis, Et après, on. vous êtes pas resté longtemps en Allemagne encore, on vous a rapatrié en Non, France ou non, pas? on a fait quelques camps, 8 jours par 8 jours, comme ça. Et je me souviens qu'il y avait des anciens déportés, ils ont tué un cheval. Et ils nous ont coupé des steaks. Moi, ils m'ont donné un steak tout cru comme ça. Ils l'ont peut-être fait, je me rappelle pas s'il était un peu cuit ou machin, etc. Et j'en mangeais un petit bout de viande tous les jours que je mettais sous un chemantais, sous un chiffon, c'est pour pas qu'on me le pique. Je sais pas. Bon, ça me fait rire parce que je me revois encore avec le steak, là, je grignotais, je le cachais pour pas qu'on me le pique. Enfin, que des. Je sais pas, ça c'est pas à raconter, il faut le voir, vous voyez, pour se rendre compte comment c'était, quoi. Est-ce que parmi les Allemands que vous avez croisés, est-ce qu'il y en a avec qui vous avez pu vous connecter ou avec qui vous avez eu pas une relation de bourreau à soumis, mais vraiment où vous avez pu... Non, non, il n'y a que le jour où on a. Où est-ce qu'on a été? On a été pour prendre le train, je ne sais pas, et on a marché pas mal, et je pouvais plus. On était rentrés dans une maison, dans un truc où il y avait de la paille, enfin,
alors là, ils vont m'entendre, hein, de tout à l'heure. Où il y avait de la paille, etc., tout ça, et je m'étais allongée, et il fallait repartir, je ne pouvais pas. Alors, il y a deux Allemands, deux jeunes, qui sont venus vers moi, ils m'ont dit en allemand, « Lève-toi !» Ils m'ont donné la main pour me lever, « T'es trop jeune pour mourir !» Voilà ce que j'ai entendu. Je crois que je te l'ai fait marquer dans le livre, je crois, oui. « Tu es trop jeune pour mourir !» En allemand. Et qu'est-ce que vous avez entendu là-dessus? C'est-à-dire, ils pourraient très bien dire, vous êtes de la bonne main-d'œuvre, allez hop 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 debout. Non, pas du tout. Ils tenaient à ce que vous viviez. Ils étaient jeunes, ils avaient peut-être mon âge, vous voyez ce que je veux dire. Alors, il y en avait peut-être qui avaient du cœur, je ne sais pas, mais ceux qui étaient. Vous l'avez pris comme ça. Oui. Il y avait une lueur d'humanité. Une lueur d'humanité, c'est certain. Mais il devait y en avoir forcément. Oui, bien sûr, mais... Des deux côtés, des gens étaient embrigadés là-dedans. Vous savez. On en est à... Vous rentrez donc d'Allemagne en France. Comment ça se passe? C'est-à-dire, on ne rentre pas tout de suite quand on a été par les Anglais qui nous ont... On a passé pendant deux... Une bonne semaine de Caen à... À Caen, oui, vous m'avez dit tous les 8 jours à peu près. Oui, à peu près, etc., etc. Jusqu'à temps qu'on arrive, on est parti pour arriver dans le nord, à Lille. On a pris les trains qui nous ont ramenés en France, à l'hôtel Lutetia. À l'hôtel Lutetia, moi, j'y suis pas restée longtemps. C'était parce qu'il fallait qu'ils nous voient. Il y en avait qui étaient pleines de poux, de choses, enfin de maladies, etc., etc. Moi, je suis arrivée à l'hôtel du Tessia, le docteur m'a vue, m'a dit « Vous avez un sang très pur. » Vous ne savez pas qu'on pouvait voir il m'avait fait, je ne sais pas, enfin, je vous dis ça, je ne suis pas restée longtemps, je suis peut-être restée 1 heure ou 2 heures, même pas là-bas. D'accord. Et tout de suite, quand j'ai pu sortir, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. Oui. Dans les rues, j'ai demandé à des passants, vous auriez pas une petite pièce, il faut que je téléphone, enfin... Non, vous revenez de déportation et vous vous retrouvez seule dans la rue. Oui, exactement. Alors, je téléphone à ma belle-mère, enfin ma première belle-mère, la mère à René. Ce qui m'a choquée, alors là j'ai été choquée. Je fais, allô, mamie, c'est Mani. « Ah, c'est toi, Mani !» Alors ça m'a choquée. Pourquoi? Parce que... Vous auriez voulu qu'elle se dise « Mais où t'étais? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Oui, non mais de dire « Ah, c'est pas possible, j'en reviens pas, qu'est-ce qui se passe ?» Oui, quelque chose comme ça. Presque comme si c'était rien. Rien, comme si je l'avais quitté de la veille. Ah, ça m'a choquée. Vous pensez que c'est en fait... Elle était en négation Enfin... J'ai pas cherché à aller plus loin. Donc là, vous parlez de la grand-mère de votre fils Pierre. Voilà, exactement, de la mère de mon premier mari. Okay. Enfin, même pas, parce que lui, c'est un garçon qui a été reconnu. Ah, René d'accord. était reconnu. Il a été pris par, il a été élevé par la famille Mélé, etc., etc. Et d'après, je l'ai appris il y a pas tellement longtemps, Pierre. Son père était un Anglais, un officier anglais pendant la guerre de 14. Et sa mère, c'était une comment dirais-je, pas une nordique, enfin un truc comme ça, etc. Tout ça. Norvégienne, suédoise. Oui, enfin bref. Parce que Pierre, quand il est né, il était blond comme les blés. Des yeux bleus, verts, machin. Pierre, c'est votre fils. Oui. D'accord. Ouais. Donc il vous avait... parlez du père de Pierre, mais... Connu, moi, je n'ai pas connu le père de Pierre, puisque moi, je ne mais savais pas. Le père pas. De Pierre, c'est vous, c'est votre fils. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le champagne. Voilà. Tu veux dire le père du père de Pierre. Ah, le grand-père de Pierre. Le grand-père, oui, grand-père etc. Pierre. Bon, la famille Mélé, il n'avait rien. Il n'avait rien de ressemblance avec la famille Mélé, tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est tout. Bon, enfin bref. Donc vous êtes, est-ce qu'ils vous ont accueilli ou pas quand même? Vous êtes allé dormir où à ce moment-là? Eh bien chez ma belle-mère. D'accord. Bon, je suis restée une nuit ou peut-être 2 nuits et après j'avais une amie, Lucienne que tu connais, qui est-ce que bon, je ne veux pas aller plus loin.
Je suis restée chez elle. Je suis restée chez elle, c'était la nouba tous les soirs, son mari Mais alors, travaillait. attendez, vous arriviez à faire, vous revenez des camps de concentration, vous avez vu les horreurs que vous avez vues et vous Oui, faites la nouba? Mais vous j'avais faites des... la nouba dans quel esprit? Pour oublier, vous faites la nouba Non, parce comme que... ça, parce que j'étais rentrée du camp, c'était bien, etc. On m'emmenait tous les soirs dans un cabaret, boire du champagne, danser, machiner, C'est vrai que ça etc. paraît déconcertant. Mais oui, ça l'est. Oui, je ne sais pas. Est-ce que je suis normale? Non, peut-être qu'on a chacun nos façons de gérer les Ben oui, mais traumatismes. enfin, est-ce que c'est la meilleure façon de gérer quelque chose? Bah, ça dépend. Est-ce comment vous avez vécu votre vie à partir de ce point? Est-ce que Ben, vous avez été heureuse? Est-ce que vous avez vécu une vie où vous avez pu vous connecter avec les autres personnes oh, autour de vous? je sais Est-ce que vous pas, êtes sentie en c'était décalage? une vie de bâton de. Je sais pas, ça n'a pas été une vie extraordinaire, hein. Je pense pas. Pourtant, vous m'avez dit que vous avez rencontré tous les artistes. Vous m'avez Oui, dit qui. Dites-moi, d'accord, citez mais des noms. d'accord, j'ai rencontré des artistes Comme parce qui, qu'il comme fallait que je qui, travaille. comme qui. Vous avez rencontré qui? Juste pour qu'on ait une idée. Oui, Comme alors qui? quand j'ai commencé à. Bon, j'ai été voir d'abord mon impresario, je vous dis, etc., etc. Je ne pouvais pas chanter. Parce Je que vous parlais avez comme perdu. ça. Il m'a dit, c'est pas grave, Mani, tu vas faire de la présentation d'artistes, etc. C'est comme ça que j'ai recommencé à faire de la présentation. C'est là où j'ai commencé à présenter Bourvil, j'ai présenté un tas d'artistes. Lynn Renault, par exemple, qui était à Édith ce Piaf. moment-là, Édith qui Piaf. avait, qui était avec Lulu Gastier. Moi, j'avais, à l'époque, j'avais 25 ans, pas tout à fait 26. Et elle a 85 ans maintenant. Je connais son âge, Oui, donc elle est puisque. plus jeune que vous, Oui? Ben oui, mais elle s'est fait refaire. Moi, je touche pas. Moi, je ne touche pas à ma figure. ça va pas être contente, Lynn. Hein? Non, mais c'est la vérité. Elle s'est refait faire tout ça. Il y en a beaucoup qui sont. Ben, que c'est comme Annie Cordy. Alors, elle rit, elle crie son nom. Enfin, bon. Moi, c'est bon. Moi, je dis la La face de vérité. lune. Moi, je dis la vérité. Moi, j'ai des rides. Bon, j'en ai pas terrible pour mon âge. J'en ai quand même. On n'est pas tous égaux face à ça. Bon, la question que. Quelle vision vous aviez justement de toute cette vie de cabaret quand on revient de l'enfer? Est-ce que ça vous paraissait désuet ou frivole ou... Non, 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 normal. C'est Normal. dingue. Normal. Moi, j'étais vivante, il fallait que j'avais quoi, 25 ans quand je suis rentrée du camp. Bon, bah, je vais pas me mettre des trucs dans la tête qui n'existent pas. Je faisais mon petit chemin, Non, mais mon petit bonhomme de chemin. il y a une chose qu'il faut que tu dises, c'est que pour toi, ta vie s'est pratiquement arrêtée quand ta mère a été Ah arrêtée. oui, maman, alors là, moi, Ah, c'est ça, le toute choc ma vie, qui a le arrêté les choc, c'est ma émotions. mère. Ma mère, elle n'a pas mérité ça. Ça, ma mère, toute ma vie, ma mère, ça a été mon plus Bah, grand surtout, regret. surtout que vous n'aviez pas de père présent, Non, pas du tout. du Non, coup, vous non, deviez être très non, très pas du proche tout. avec votre Avec mère. maman, j'ai vécu qu'avec ma mère. Depuis l'âge de 7 ans, je suis restée avec maman jusqu'à 22 ans. On était ensemble, etc. Et puis ma mère, c'était quelqu'un de tellement généreux. Et j'en ai pris une bonne partie, je peux me permettre de dire ça. Je sais pourquoi. Et vraiment, elle méritait pas ça. Et c'est dingue ce qu'il y a, c'est que le père de René, donc son premier mari, n'a pas été reconnu à l'époque, puisqu'il a été reconnu après. Et par contre, ma mère n'a jamais été reconnue par son père biologique. Ouais. Donc il y a des Après, on rentre destins dans communs. les, on, ouais, on rentre dans les Oui. parallèles qui entre la vie de votre mère, la vôtre, et ta Oui. vie à toi aussi, Jacques, où on retrouve des choses qui reviennent et Oui, reviennent. Ouais. bien C'est sûr, bien étonnant, hein, quand sûr. même. Mais enfin, pour moi, ma Bon, mère, c'était. Enfin. donc en fait, peut-être que le. Oui, en effet, Alors, votre mère qui a disparu, ça m'a ça. assommé, je crois. Ça Voilà, m'a et du coup, vous assommé. avez traversé toute cette période Oui. un peu assommée. Oui. Et À mon donc, à avis, ça doit 25 être ans, donc ça. vous êtes dans les cabarets, on va passer un peu. Et ce que j'aurais besoin maintenant Oui. de savoir, c'est d'aborder le fameux sujet du bonheur.
Déjà, est-ce que vous estimez que vous avez une vie heureuse? Est-ce que vous estimez que vous êtes une personne heureuse? Ni heureuse ni malheureuse. Donc comme dans les camps, c'est étonnant. Ok. Et est-ce que vous avez appris des choses fondamentales pour vous de cette expérience très Oui, douloureuse? Qu'est-ce je que vous crois avez appris? que oui, je pense qu'arrivé à mon âge, dans la vie, faut pas, je sais pas, mais faut pas être entêté. Faut être un petit peu plus intelligent. Faut aller les choses telles qu'elles sont. Donc vous appelez, ce que vous appelez ne pas être entêté, c'est accepter la réalité telle qu'elle est Oui. et quoi? Et aller avec le... Exactement. Mais du coup, est-ce que quand vous dites ça, pour trouver aussi les nuances, si, parce que ce que vous avez vécu, c'est quand même presque inimaginable, il n'y a pas une forme de rébellion à avoir, il n'y a pas... Vous aviez de la rébellion, ce que vous faisiez avec les draps et ce que... Quand vous mettiez les cigarettes dans vos ourlets, c'était de la Oui, rébellion. Donc, c'est non, accepter la réalité, mais... non, c'était pas de la rébellion, c'était pour mes copines qui n'avaient pas de cigarettes, elles fumaient, elles faisaient des drogues pour avoir des cigarettes contre son pain, ou, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et que moi, j'avais pas de troc envers elle à faire. Moi, j'emmenais les cigarettes pour elle. D'accord. Pour Donc, moi. c'était la fameuse générosité. C'est pas de la Voilà, rébellion, c'est de la exactement, générosité. exactement, D'accord. exactement. Donc, ce que vous voulez transmettre de cette vie que vous avez vécue jusqu'ici, si vous deviez transmettre quelque chose à vos petits-enfants, par exemple, ce serait ça, c'est d'accepter la réalité? Oui, ben, mes petits-enfants, c'est vraiment pas, même, c'est pas la même époque. Alors, je peux pas arriver avec mon époque à moi de leur faire comprendre les choses de mon époque actuelle. Mais alors, ce qui transcende les époques, c'est-à-dire, par exemple, la générosité, ça transcende les Ah, la époques. Qu'est-ce générosité, que vous avez envie de transmettre? c'est en soi la générosité. On n'achète pas la générosité. On peut On la demander, l'a peut-être. ou on l'a pas. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est essentiel pour vous pour avoir une vie plus ou moins heureuse, ou la plus heureuse possible? Bah, c'est-à-dire que moi j'ai quand même des fils, j'ai des petits-enfants et j'aimerais bien qu'on soit souvent ensemble, etc., pas me laisser de côté. Il y a un tas de choses comme ça que je supporte pas. Donc c'est l'amitié, la famille, tout ça La c'est important famille, la pour vous. famille, la famille, la famille, oui. À mon âge, j'aurais jamais pensé d'être seule comme je suis actuellement. Vous imaginez comment? Ben, entourée, Bah alors nous. Jacques, qu'est-ce que tu fais? Ah non, mais je crois pas. C'est Jacques, plus proche. c'est le plus proche. Mais je veux dire par là que. Je sais pas comment vous expliquer ça, parce que. Avant. Quand il y avait des fêtes, l'anniversaire de l'un, mon anniversaire à moi, on était tous en famille, etc. Rappelle-toi, pour mes 90 ans, toi et Jean-Marc, toute la famille était là. Maintenant, on n'a plus de famille. Vous La faites pas. famille, c'est mort. C'est Voilà. vrai, mais. Chacun a son petit coin. Voyez? Et vous croyez que c'est dû à la société et la façon dont on Non, évolue mais ou c'est c'est droit, particulier? un temps d'histoire. Et Ouais. puis, vous savez, les mariages juifs et goy, hein? Ça vaut pas le coup. C'est tout ce que je peux Tu dire. t'es marié avec une goye, Jacques? Ah oui, Ouais. marié avec Nix, hein. Ouais. Et mes trois fils, c'est ça. Et ça, c'est. Aujourd'hui, on évolue aussi vers des cultures qui se mélangent et qui Oui, se... bon, enfin, c'est pas tellement bon, à mon avis. Vous le croyez? Non. Bon, l'avenir nous le dira. J'en ai la preuve et vous verrez. C'est vrai? Oui. Bon, on a tout sur J'ai vidéo, dit ce donc... que je pensais. D'accord. Donc, pour vous, c'est quoi le bonheur? Vous savez, il y a différentes choses de voir le bonheur. Chacun Mais le voit son vôtre, à bonheur vous, à comme il vous. l'entend. Il va voyager, il va. Mais pour vous, pour vous. Pour moi, ah ben j'ai beaucoup voyagé, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Alors ça, c'est du J'étais en plaisir, ouais. Chine, j'étais à New York, j'étais enfin en Israël. J'ai voyagé pas mal, hein, Jacques. J'ai voyagé pas mal, ça m'a fait plaisir. Et j'étais très contente d'avoir été en Chine. Il y a 19 ans de ça, et ça m'a fait très, très plaisir. D'accord.
Et aujourd'hui, vous êtes heureuse de la vie que vous avez vécue? Oui, enfin, la vie que j'ai vécue, ça a été un peu chamboulé. Ça n'a pas été une vie toute droite, vous voyez ce que je veux dire. Mais avec moi, ça ne me gêne pas, parce que toute droite, je me serais enquiquinée. Hein. Vous voyez? Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire. Et puis pour le champagne aussi, et les boudoirs. Ça m'a fait plaisir. J'espère qu'on se reverra quand ah oui, même. Il n'y a pas de raison qu'on aussi. se voit un soir pour dîner ou n'importe. Allons-y, on va Hein? faire des dîners de famille. Bah, oui, non, 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 Mais je suis doyen, attention. Renichka problème. Mais il paraît que mon prénom, Johanna, c'est Johanna, et il y a peut-être des origines juives. Ah, parce mais que ça se dit tout pas le Johanna, monde, ça se dit tout le Yohana. Monde. Yohana, ouais, Yohana. Vous savez que tout le monde a des origines juives? Bah évidemment. Jésus, qu'est-ce qu'il était? Il était